Tu as grignoté un cinquième de seconde sur le record du tour. Oh, mais j'aurais pu gagner une seconde si j'avais voulu. Ah bah alors on peut pas perdre samedi, hein. Moi je parie que tu vas faire un malheur. Ah mais j'y compte bien, j'ai dépensé pas mal d'argent et d'énergie sur cet engin. Et donc la carburation maintenant, y'a plus de problème? Non, aucun, je crois que tout est au point. Tiens, prends le volant et fais quelques tours. Oui, d'accord. Mets le casque. Oui. Viens. Oh. Si tu veux voir derrière, regarde plutôt dans le rétroviseur. Hein? Ah oui, c'est le café. Oh, mais ça change tout, dis donc. Allez. Il a essayé de me tuer, il a voulu me passer dessus. Sans blague. Écoute ça, juste pour montrer comme c'est facile. Essayez de profiter du reste de votre vie, elle se termine avant samedi. Tu sais, je crois qu'on devrait encore le réduire. Je crois aussi. Encore tôt, je peux rester ici et vous donner un coup de main si vous voulez. Ben d'accord, je vais d'abord la garer et je vous rejoins tout de suite. Bon, je vais rester dans les parages pour te protéger. Je crois que je n'ai plus rien à craindre pour aujourd'hui. T'as pas l'air de voir la situation. Ils ont essayé de te tuer. Oui, mais je ne leur donnerai pas d'autre occasion. Aussitôt fini ici, je file à mon appartement, je regarderai le film à la télévision et j'irai dormir. Mais ben, je vais aller fouiner à droite et à gauche. Je découvrirai peut-être quelque chose. Surtout, ne t'inquiète pas, mon vieux, je suis là. Tu connais ton problème, Daniel? Non. Tu te prends pour Sherlock Holmes. Erreur, je suis Sherlock Holmes. À tout à l'heure.
Vous en faites pas, je passerai au vert. Vous garer là. Vous pariez? Je m'appelle Danny Wilde. J'habite au 49 rue du Révérend Ficat. C'est au milieu de la rue. Appartement 9B. Vous me suivez, alors on pourra peut-être s'y arrêter et prendre un verre. Je ne suis pas celle que vous croyez, monsieur. Je vous prie de me laisser tranquille. Ah, bah bien, mais je suis à votre disposition. À bientôt. Bon, alors ça va durer encore longtemps. Mais ça y est, le temps de trouver ma clé. Oh, mais il marche très bien, votre klaxon. C'est pas la peine, mon gars. Si on continue à ce jeu, l'un de nous va peut-être se faire blesser. Et je crois malheureusement que ça serait moi. Vous l'êtes déjà un peu, vous saignez du nez. Merci. Bon, qui êtes-vous? Morley Lyndon. Dites-moi, je prendrais bien un petit verre. Ça peut pas me faire de mal. Très juste. Je n'ai plus une goutte de whisky, mais voulez-vous une fine Napoléon? Oh oui, ça sera parfait. Ah, dites donc, je ne crois pas avoir fait de bruit en m'approchant derrière vous. Et vous semblez avoir senti ma présence. C'est le mot juste. En effet, votre eau de Cologne a une trop forte odeur. Je ne supporte pas ces lotions bon marché. Si vous m'expliquiez. Pourquoi je vous assommais? Pour être franc, pourquoi j'ai failli vous assommer? N'y voyez rien de personnel. En fait, j'accomplissais mon travail. Votre employeur porte un nom? Sans doute, mais je l'ignore. J'ai reçu une lettre ce matin. On me donnait les indications nécessaires pour vous démolir. Je devais vous blesser sérieusement, vous casser un ou deux bras, mais surtout ne pas vous tuer, il le précisait bien. C'est rassurant. Et combien étiez-vous payé? Il me donne 10 livres. Seulement 10? Juste de quoi vous offrir votre lotion. Vous n'êtes pas cher. Ah oui, je dois avouer que je ne suis pas très efficace. Ça, je vous le concède. Et pour être franc, chaque fois que je m'occupe personnellement d'un coup, c'est fichu. Je peux en avoir un autre? Faites comme chez vous. Merci. La lettre dit que j'allais recevoir 10 autres livres une fois le travail terminé. Mais je n'ai pas intérêt à compter là-dessus. 50. 50? Est-ce que ça vous plairait de les empocher? Mais pour une somme pareille, je suis prêt à me casser le bras en arborant un sourire des grands jours. Voilà 25 et vous en recevrez 25 autres à la livraison. Je veux savoir quel est votre employeur. Considérez ce travail comme terminé. Donnez-moi 2 petites heures, je fouine un peu et je vous rappelle. Oh, quelle confiance en vous. Ah, voulez-vous remettre les plombs en place en redescendant? Un conseil en passant, si vous voulez faire l'obscurité totale, inutile d'enlever tous les plombs. Mettez le disjoncteur en position arrêt. J'avoue n'avoir jamais été un bon bricoleur. Thank you.
Venez avec moi. Ah. Attention. Ah, ça va mieux? Allez. Je voudrais que vous répétiez à mon ami au téléphone ce que vous venez de me raconter. Allez, asseyez-vous. Bravo, bien visé. Hé, attendez, une petite seconde, je vous redresse tout de suite. Hein. Attention, vous glissez, là. Écoute. Matt Sinclair. Daniel? Est-ce que tu as une montre sur toi? Oui, je sais, il est tard, mais je crois bien avoir découvert une piste. Bon, alors, un peu de tenue, voyons. Tu veux répéter? Mais c'est pas à toi que je parlais, mais non. Écoute, je suis chez Sam, viens vite, je t'attends. Oh, mais c'est fini, oui. Grazie, grazie. Voilà, je voudrais un bol de café, enfin un bol ou une bastine. Allez, venez, assez fait tapisserie, debout. Et voilà, oh, quel bout d'entrain. Ah, mais attendez-moi, soyez pas si impatient. Olé! On ne tient pas la distance, hein, petit bonhomme. Ah, excusez-le, mais il n'a pas l'habitude de sortir si tard. Allez, on danse. Oui, bien sûr, j'ai compris. Et je m'en suis occupé. Entendu. Votre café, monsieur. Ah, merci. Merci. Allez, on repart pour un tour. Je crois que je ne sais pas t'apprécier, Daniel. Tu me réveilles à 4 heures du matin et tu m'invites dans une boîte de nuit pour te voir lancer une nouvelle danse. Mais ne vous arrêtez pas, mon cher Sam. Bon sang. Je vais me coucher à quelle heure si vous arrivez ici de votre réveil? Et tu pourrais peut-être me présenter à ton partenaire, Daniel. Mais attends une seconde, je finis mon tango et... Sandford. Jerry Sandford. Jerry, oui, voilà. Il devait participer à la course samedi, mais il faut plus y compter. Tiens, passe-moi la chaise, s'il te plaît. Passe-moi la chaise, là, voilà. Merci, voilà. Merci beaucoup. Si tu m'expliquais, Daniel. Ben voilà, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de rendre visite à tes différents adversaires. Je voulais savoir si on les avait menacés, tu vois. Alors, les deux premiers interrogés ont répondu non. Et ensuite, je me suis trouvé nez à nez avec celui-là. Et je l'ai vu dépenser son argent. Tu sais qu'il a 3000 dollars dans ses poches. Il est peut-être acheté pour perdre. Oui, ça m'en a tout l'air, en tout cas. Bon, attends. On va l'asseoir. Hé, hey, Jerry. Jerry, tu m'entends? Allez, réveillez-vous. Allez. C'est inutile. Vous échouez. La course? Est-ce que tu parles de la course? 21 jolis petits tours et c'est terminé. C'est terminé. Mais, oh, chut, c'est un secret. Jerry, tu m'entends, Jerry? Jerry, qui t'a payé? Réveillez-vous. Il n'en sait rien. Emmenez cet ivrogne. Bonsoir, vous savez créer une ambiance. Tu ne trouves pas? Par contre, il ne sait pas qu'il ne faut jamais se mêler de la conversation des gens. Nous échangions quelques phrases avec M. Sandford. Et il s'apprêtait à nous dire qui le payait pour fausser la course. Je peux vous dire que c'est moi qui lui ai remis l'argent. Mais j'agis évidemment pour le compte de mon supérieur qui préfère rester anonyme. Vous allez réfléchir avant de répondre. Combien demandez-vous pour ne pas faire cette course? Voilà qui est étonnant, Daniel. Ils essaient de me faire peur, envoient quelqu'un pour m'abîmer. De quoi voulez-vous parler? Et le voilà qui m'offre de l'argent pour renoncer. Est-ce que je lui dis? Oui, il ne faut pas hésiter. Écoutez-moi bien. Samedi, je serai au départ de la course. Cette position est assez décevante. Toutefois, je pense que nous parviendrons à vous convaincre avant samedi. Encore autre chose. Vous avez interrogé les autres pilotes. C'est vrai, oui. Aucun de vous ne poursuivra cet interrogatoire. Bon, on commence tout de suite. Quoi donc? Eh bien, vous devez nous donner une bonne leçon, c'est une tradition. Ah, mais je m'étais juré de la respecter. Messieurs. Ah.
mal ce qu'ils font, hein. À qui le dis-tu? À toi. Je préférerais les avoir à nos côtés. Allez, on part. Ah, je dois dire qu'il n'a rien d'un gars bien. Je vous retrouverai, je peux vous le jurer. Allez, filez. Tu viens. Bonsoir, monsieur. Aïe. À table, Daniel. Le petit déjeuner est servi. Oh, bah, on a des invités? Non, c'est pour nous deux. Je t'ai préparé le petit déjeuner traditionnel de notre aristocratie. Ah bah, tu dois pas te sentir gonflé après tout ça. Du porridge. Oh, pardon, des fruits bouillis et du porridge. Des rognons. Du haddock. Des saucisses grillées. Du bacon. Oh, et bien sûr, de la marmelade et du thé. Prends ce que tu veux. J'ai pas faim. Daniel, mange un peu. Oh, on dirait ma mère. Je ne veux rien, tu entends? Laisse-moi tranquille. Si j'avais su... À propos, je ne t'ai jamais parlé de mon arrière-arrière-arrière-grand-père du côté maternel? Non, si, souvent. Le deuxième duc de... Oui, merci, je sais. Oh, il aurait mangé tout ceci, ensuite il serait allé se promener aux écuries, mener une vie d'enfer aux petites servantes, puis il serait revenu se restaurer, une demi-douzaine de faisans, quelques canards, avec la moitié d'un porc bien arrosé de quelques cruches de rosée, de porto, et on ne lui donnait pas plus de 60 ans à sa mort. Fantastique. Et quel âge il avait? 102 ans? Oh, on n'exagère pas, voyons. 79? Non, 29 ans. 29 ans? C'est le plus jeune duc dans le caveau de famille. Et je vais interroger les autres pilotes. Tu veux m'accompagner? Non, merci, on doit me téléphoner. Tu vas pas rester toute la journée devant un téléphone qui n'a aucune chance de sonner. On peut au moins lui donner 2 heures, non? Mais viens plutôt avec alors moi. Alors mange quelque chose. Non, je te remercie, je préfère partir. Allez, à tout à l'heure. Reviens-toi, on déjeunera ensemble. Encore? Mais tu penses qu'à manger, ma parole? Bon appétit quand même, Ta Majesté. Oui, Brett Sinclair. Bonjour, ici Lyndon. Oh, une seconde, s'il vous plaît. Daniel! Excusez-moi, ça y est. Des résultats? Oui. J'ignore toujours son nom, mais j'ai trouvé l'adresse. Écrivez-la. C'est au 20 Park Way. Entendu. Vous pouvez venir chercher votre duc quand vous voudrez. Merci, Sinclair. Je passerai très bientôt. Il viendra. Vous pouvez en être certain. Il viendra. Alloué.
Il est mort? Oui, poignardé. Vous le connaissez? Non. Non, je ne l'ai jamais vu. Alors, reprenons à zéro. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici? Je m'appelle Catherine Bowman. On m'a chargée de vous surveiller. Qui vous en a chargé? Oui, je vois. Vous croyez que je l'ai tué? Vous vous trompez. Alors, qui est-ce? Je l'ignore. Une personne qui veut s'amuser avec moi. Comment ça? En donnant des conseils que j'ai toujours ignorés. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a un téléphone là-haut, on va appeler la police. Bon, à votre tour maintenant de me donner des explications. Je vous ai suivi. Pourquoi? Parce que mon rédacteur en chef aime savoir où vous allez et ce que vous faites. Vous travaillez pour un journal? Mm-hmm. Voilà un mois, on a reçu une lettre anonyme disant que quelqu'un dépensait une petite fortune pour fausser la course de samedi prochain. Vous savez qui? Pas encore. Si nous pouvons trouver une preuve sérieuse, nous sommes prêts à faire un article tonitruant. Qu'avez-vous découvert? C'est juste que Wilde et vous avez investi une petite fortune dans cette voiture spéciale. Ça n'est pas un secret. On sait aussi que cette nuit, Wilde a été vu avec un pilote qui a été acheté, c'est prouvé. Et ce matin, on l'a vu avec d'autres pilotes. Et alors? Alors, mademoiselle, police secours, s'il vous plaît. Toutes ces informations font ressortir une chose. La personne qui tente de fausser la course ne peut être que Monsieur Danny Wilde. Dis donc, Jimmy. Oui? Ça fait des années et des années que tu traînes sur tous les circuits, toi. Mm-hmm. T'as jamais entendu parler de quelqu'un qui essaye de fausser les courses, par hasard? Oh, dis, est-ce une plaisanterie? Non, mais j'aimerais bien savoir. Alors, si ça avait été le cas, j'aurais prévenu les officiels. Ah, bah pourtant... Non, écoute, Danny, c'est impossible. Pas dans ce métier. Ah oui, tu parles. On m'a dit la même chose pour les combats de boxe, et puis total. Oui, bah ça, c'est pas pareil. Ah, aussi. Je peux t'en donner la preuve. Jerry. Sandford? Oui, Sandford. Il est mêlé à cette affaire. Il fait 19 tours et il part au 20e. Et qui l'a payé? Bah ça, je sais pas, c'est ce que je voudrais savoir, justement. Enfin, si jamais t'entends quoi que ce soit à ce sujet, ou si tu soupçonnes quelque chose, tu m'appelles tout de suite. Alors là, je ferai un tel boucan que le monde entier la prendra. Merci et bonne chance pour samedi. Merci. Au revoir. Oh, Monsieur Wilde. Oui, c'est moi. Est-ce que vos lourdeaux vous ont remis mon message? Mes lourdeaux? Je comprends pas très bien, expliquez-vous. Ils m'ont transmis votre offre. Ah, mon offre. Et quelle était mon offre? C'était 2000 livres. Oh, 2000 livres. Oh, ça alors. Juste pour trafiquer un peu la suspension avant de la voiture. C'est une belle somme. Ah oui, c'est une belle somme. Dites donc, pour trafiquer une suspension, 2000 livres. Je leur ai répondu ce que je vais vous dire. Si quelqu'un s'approche de moi, de la voiture ou de Jimmy, il ne l'emportera pas au paradis. Monsieur Wilde. Je saurai m'en souvenir. À bientôt, Charles. Vous auriez peut-être dû les remettre à la police. Mmh. Pourtant, je pense qu'on les a laissés là pour que je les regarde. C'est une course à laquelle vous avez participé? Bon, c'est difficile à dire. À 180 à l'heure, toutes les voitures en flammes se ressemblent. Il y a quelque chose qui m'échappe. Fausser une course, c'est facile. On peut vous acheter ou vous intimider. Pourquoi ces précautions? Dans ce domaine, je n'en ai jamais entendu parler. Attendez. Regardez. C'était au Grand Prix d'Italie. Jenkins, au milieu des flammes, après avoir heurté un rail de sécurité. J'ai couru ce Grand Prix. Je suis là. Je le doublais quand sa voiture a dérapé. Par miracle, il n'est pas mort, seulement sérieusement brûlé. Il a passé de longs mois à l'hôpital. Je vais demander au service de recherche ce qu'il peut avoir. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est le rapport entre une voiture qui a pris feu il y a 5 ans et cette volonté de fausser la course. Comme ça, je l'ignore. Mais j'ai peut-être là un merveilleux article à rédiger. Il n'est pas question que je vous quitte des yeux. Quelle belle déclaration. Si vous êtes tué, je veux recueillir vos dernières paroles. Mademoiselle Bowman, vous savez vraiment parler aux hommes. D'accord, quelqu'un veut fausser la course. Mais pourquoi tout mettre sur moi? Quel est l'intérêt de faire croire que ça vient de moi? Parce qu'ils ne peuvent pas t'atteindre d'une autre manière. Daniel, quelle tête tu fais? Comment ils peuvent pas m'atteindre? Et puis je fais la tête que je veux. Nous sommes copropriétaires de cette voiture, n'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai. Alors, si l'idée vient aux organisateurs que tu es mêlé à quelque chose de plus ou moins louche, nous nous ferons suspendre. Écoute, Sherlock Holmes, j'ai rien à me reprocher. Exact, mon cher Watson, tu le sais et je le sais. Mais il nous faudra des semaines pour le prouver.
Entrez, Catherine. Bonsoir. J'ai appris quelques petites choses sur Jenkins. Ah, très bien. Oh, je ne crois pas que vous ayez été présenté dans les formes. Danny Wilde et Catherine Bowman. Ah, bah, je vous ai attendu à mon appartement, mais vous ne vous êtes pas montré. Vous allez me dire que j'ai beaucoup raté, sans doute. Oh, énormément, oui. Veuillez lui pardonner, sa jeunesse a été fortement influencée par Rudolph Valentino. Bon, allons dans mon bureau et voyons ce que vous avez pu découvrir sur Jenkins. Oh, eh bien, il ne s'est plus intéressé aux voitures depuis son accident. Il a passé pas mal de temps dans différents hôpitaux. Il paraît toujours aussi malade. Et où habite-t-il? Sa dernière adresse connue est dans le sud de la France. Mais on m'a dit qu'il avait déménagé il y a 3 mois. On ne sait pas où il se trouve maintenant. Alors, vous perdez votre temps en vous occupant de cette affaire. Croyez-moi, elle n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment. Je dois reconnaître qu'on est sûr de rien. Cependant, je suis prêt à tout si tu as une meilleure idée. Je vais essayer de retrouver les gars qui ont voulu nous corriger la nuit dernière. J'ai demandé à mes services de se renseigner. Une chose est certaine, ils ne peuvent pas nous acheter. Ni nous intimider, Daniel. Et ils ne peuvent pas être sûrs de nous faire suspendre. Tu vois? Donc... Il ne nous reste plus qu'à attendre leur prochaine tentative pour nous mettre définitivement hors course. La voiture. La voiture. Allez, venez, Catherine. Tu vas répondre. Alors, Vine. Tout va bien? Oui, pourquoi où vas-tu? Je vais dire 2 mots à quelqu'un qui me chauffe les oreilles. Qu'est-ce qu'il a? Je crois que ça ira. Il a seulement une vilaine bosse à la tête. Où est allé Danny? Oh, il déteste la fumée. Je ne peux pas le dire. Allez. Je vous jure que je ne peux pas. Répondez ou sinon... Non. Faites ce que vous voulez, mais je ne vous dirai rien. Ce n'est pas la peine de toujours vouloir me baiser les pieds. Relevez-vous. Je me présente, Louise Cornell. Enchantée, Louise. Je m'appelle Danny Wilde. Je suis ravi de vous rencontrer.
Vous voulez peut-être vous servir quelque chose à boire. Mais avec plaisir. Eh bien, vous savez, vous n'êtes pas celui que je m'attendais à rencontrer. Ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. Et oui, pourtant, je me croyais plutôt original. Il travaille pour vous? Oui, malheureusement. Sortez. Je n'y suis pour rien, il m'a obligé à l'accompagner ici. Vous n'êtes qu'un pauvre idiot. Sortez. Je vous prépare un verre. Non, merci. Je voudrais votre avis. Vous aimez cette robe? Elle fait un peu trop jeune pour vous, mais... Asseyez-vous, Monsieur Wilde. Vous voulez me dire pour quelle raison vous tentez de fausser la course? Le profit. C'est une petite expérience. Mes associés pensent que ces épreuves sur circuit n'ont jamais été réellement exploitées. Et elles pourraient se révéler très lucratives. Nous savons influer sur presque toutes les épreuves de hasard à notre avantage. Alors pourquoi exclurait-on les courses automobiles? En tant que femme, vous ne vous trouvez pas désavantagée dans ce genre de travail? Oh non, au contraire. En fait, si j'étais un homme, vous m'auriez frappée depuis longtemps. Et pourquoi dites-vous à peu près partout que c'est moi qui fausse la course? Simple camouflage. Dans le cas le plus désastreux, cela va compliquer les enquêtes. Et au mieux, on vous refusera le départ de la course, vous me suivez. Bien. Étant donné que votre nom est mêlé à cette histoire, comme vous le savez, pourquoi ne pas faire équipe avec moi au lieu de me combattre? Eh bien, je crois que nous n'avons plus rien d'autre à nous dire maintenant. Dommage. Louise, mon ami Brett Sinclair, vous voulez lui ficher la paix? Je n'ai pas donné l'ordre de lui faire quoi que ce soit, mon cher. Pas encore, je le précise. Ça, c'est gentil de votre part. Vous devriez déguerpir. Pardon? Oui, le gars qui travaille pour vous, je lui ai fait tout avouer. Et il m'a écrit sa confession. C'est peut-être pas suffisant pour vous envoyer en prison, mais ce sera certainement suffisant pour vous faire chasser du pays. Et pas par moi, mais par le gouvernement, bien entendu. Au revoir. Demain. Il est toujours là? Oui, qui? Celui qui fait semblant de vendre des journaux. C'est le vieil Arthur. Il y a à peu près 30 ans qu'il vend ses journaux devant cette maison. Ah? Eh bien, il a l'air dangereux, Brett, très dangereux. Dangereux? Il a plus de 90 ans. Tu te rappelles peut-être plus Billy le Kid? Il avait tout juste 20 ans. Eh bien, tu vois que l'âge n'a pas... Je t'en supplie, arrête ces pitreries. Le facteur va finir par avoir une crise cardiaque et le laitier va faire une dépression nerveuse. Pourquoi n'essaies-tu pas de te calmer? Tu veux que je te dise, Ta Majesté, je t'admire énormément. Tu restes si calme, si tranquille. On veut te tuer et toi, t'es là, t'es calme. Comment veux-tu que je sois hystérique? Bah, je m'attendais à te voir un peu plus nerveux quand même. Ce serait normal, non? Quelqu'un veut me tuer, n'est-ce pas? Comme je veux lui mettre la main dessus, j'attends sa venue. Et c'est à cet instant que je m'inquiéterai. Non, je ne te suis pas. Moi, j'ai toujours préféré attaquer le premier mon adversaire. Je reviens à Jenkins. C'est bien ça? C'est peut-être toi qui l'a obligé à quitter la piste il y a 5 ans. Qui sait? Tu ne t'en souviens même pas. Et il lui est lentement venu l'idée de se venger de toi. Alors... Hein? Oh, Catherine est à sa recherche. Si elle arrive à le localiser, nous irons lui parler, je te le promets. Oui, eh bien, en attendant, je ne te quitterai pas des yeux. Je serai à tes côtés 24 heures sur 24. Et si on veut parvenir jusqu'à toi, eh bien, il faudra qu'on me tue avant. À ta bravoure. Je vais dresser une muraille de fer autour de toi, infranchissable. Personne ne pourra s'approcher de toi. Ça, tu peux être tranquille. Daniel, tu n'aurais pas un peu de monnaie? Eh ben, comment êtes-vous entré ici, vous? Par la porte, monsieur. Tu l'avais laissée ouverte. Parfaitement, ça faisait partie de mon plan. Bon, écoutez-moi bien. Supposons que vous soyez le meurtrier. Eh ben, je vous ai attrapé, hein? Vous pouvez pas dire le contraire. Je vous ai attiré ici, je vous ai eu. Allez, filez!
Vous trouverez tout sur mon lit. Qu'est-ce qu'elle va trouver sur ton lit? Mes chemises, mes costumes. C'est mon valet de chambre, Magda. Ah. Elle repasse les chemises comme une vraie déesse. Elle repassera la mienne si je refuse de l'enlever. Veux-tu savoir qui envoie ce télégramme? Oui. C'est ma chère Catherine. Elle a repéré Jenkins. Il habite à Edgerley, en province, et elle veut que nous venions la rejoindre le plus vite possible. Bien. Ça va. Très bien. Alors, on en a encore pour longtemps, à ton avis? Oh, plusieurs heures, si je ne tiens pas compte de ta navigation, sinon on arriverait seulement la semaine prochaine. Oh, fais pas le malin. Parce que tu sais, si je peux coincer le gars qui essaye de te tuer, ben je pourrais bien faire équipe avec lui. Ah. Eh oui. Ça ne m'étonnerait guère. Je voudrais voir Lord Sinclair. Il est ici? Non. Ils sont partis tous les deux il y a une heure environ. Vous savez pour où? Ils ne m'ont rien dit. Le télégramme. C'est peut-être à cause de lui. Je n'ai jamais envoyé ça. Tu as vu ce vieux film intitulé Le vieux manoir hanté? Non. Quel rapport? Tout le monde se fait tuer. Tu me le raconteras demain. Tu attends, ouvre la porte. J'espère qu'elle est fermée. Je n'aurai pas cette veine. Il n'y a personne? Jenkins, alors écoutez-moi. On m'a adressé un télégramme. On nous disait de venir dans cette maison. Qui est-ce qui l'a envoyé? Mais il t'entend même pas. Il doit bien y avoir un moyen de l'atteindre. Bon, je vais surveiller dehors. Jenkins, vous savez qui vit avec vous? Qui s'occupe de vous? Jenkins, vous m'entendez? Jenkins! Nous avons couru sur les mêmes circuits. Je me trouvais derrière quand vous êtes sorti. Sinclair. Brett Sinclair. Sinclair. Il se place derrière moi, je le vois. Vous vous souvenez de moi? Sinclair. Sur sa spéciale. Il m'a remonté. Il est derrière.
Il se rapproche. Il ne faut pas qu'il me dépasse. Il ne pourra pas dans la ligne droite. Je n'ai plus qu'un virage à gauche. Attention, entrons pas trop vite. Ah, voilà. Bien. Et maintenant! Passez en cinquième, vite! Toute la gomme, allez! Il n'a pas lâché prise. Ralentir pour le dernier virage à droite. Non! Il y a de l'huile sur la piste! Je perds le contrôle! Attention, elle va sortir! Non! Oh. Le feu! Elle brûle! Je ne peux pas fuir le feu! Je ne peux pas enlever! Je suis coincé, je brûle. Danny. Que se passe-t-il? Danny. Allez, réveille-toi. Bonsoir, Lord Sinclair. Jenkins. C'est exact. Mais pas celui que vous connaissez. Son petit frère. Avancez. Dépêchez-vous. Avant, les gens ne pouvaient pas nous différencier. Jusqu'au jour où son visage a été à moitié brûlé, mais vous êtes évidemment au courant. Ah, parce que c'est ça l'explication. Un accident qui s'est produit il y a des années. C'est vous qui dites que c'était un accident. Parce que c'en était un. Il y avait des traînées d'huile sur le sol, et votre frère a perdu le contrôle. C'est vous qui l'avez fait sortir. Pas la peine de me donner un tas d'excuses, Sinclair. Je sais comment ça s'est passé. C'est vous et personne d'autre, vous comprenez? J'ai promis à mon frère de vous retrouver un jour ou l'autre. Et je vous ferai souffrir autant qu'il a souffert. J'ai déjà tué un homme parce qu'il allait se mettre en travers de ma route. Ah, le fait que la course soit peut-être faussée n'était que pure coïncidence. Et ça a été bien utile d'ailleurs. La confusion qui a régné était magnifique. Et alors vous allez me tuer, n'est-ce pas? Non, pas question. Non, vous devez rester en vie. Et vivre comme il vit en ce moment. Non. Vous ne devez pas mourir. Vous devez savoir ce que l'on éprouve quand on est brûlé. Vous serez brûlé par l'acide. Ça n'est pas la peine, vous ne pourrez pas sortir. Daniel! Hop! Tu veux un coup de main? Non, je te remercie. Un coup de brosse serait plus indiqué. Attends, je vais t'aider. Oh, vas-tu emporter un petit nid? Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Oh, oui, c'est bien.
Et bam. Vive le champagne. J'adore ça, moi. C'est vrai, j'adore ça. Merci, Daniel. Attends, faut que je goûte. Si vous en laissez, on va un peu aussi, quand même. Si, voilà, et ça circule. Hé, hey, jeune homme, qu'est-ce que vous faites? C'est moi, Joe. C'est vous, Joe? Lord Sinclair m'a engagé comme mécanicien. Et vous vous y connaissez en voiture? Non. Pas du tout? Alors venez avec moi. Venez avec moi.